tout devrait être fonctionnel. Je sais pas trop où me diriger, mais on va peut-être suivre la route. Il y a des habitations loin là, on va y aller. Ah bah là il y a quelqu'un. Il a fouillé la voiture. J'espère qu'il a pas d'armes parce que en général les mecs qui ont des armes ils hésitent pas à tirer. Ils se cachent je crois. Hey! Voilà! Ouais, 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 ouais. Il y a un mec derrière moi là, pas loin. Je sais pas où il est. Hey! Ouais, 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 ouais. Je sais pas vraiment où je vais, hein. Je me balade à travers champs. En espérant trouver quelque chose. Alors, F pour faire apparaître les statistiques. De toute façon, elles apparaissent automatiquement si on a souci. C'est-à-dire que si on a faim, on devrait avoir la barre de faim. Quoique, remarque, je crois qu'il n'y en a pas de barre de faim. Au final. Énergie, bon c'est énergie, d'accord. Énergie, d'accord. Voilà. Si on a un souci, et ben la barre apparaît automatiquement en bas, à droite. Alors comme à la Daisy, hein, on peut tourner la tête sans, indépendamment de la direction dans laquelle on va. Ce qui est une bonne chose, hein, ce qui est vraiment utile dans un jeu comme ça où on doit faire tout le temps attention. On est tout le temps en train de marcher. Alors c'est moins prononcé que Daisy, c'est-à-dire que je peux pas regarder vraiment derrière moi. C'est peut-être un petit problème ça. Mais est-ce que ça serait vraiment réaliste de pouvoir regarder derrière? Bon. En réalité, on pourrait vraiment quand même regarder derrière nous tout en courant dans une direction. Je pense que ça, c'est pas... Évidemment, on pencherait un peu le corps, mais on va pas faire... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est marrant parce qu'on entend grincer. J'imagine que c'est des bruits d'ambiance, alors que là, il y a une flèche. Ouh, il y a un zombie là. Ça, je me demande si c'est pas des zombies, on va dire, des zombies qui étaient déjà morts, hein, on va dire des zombies de décoration, en quelque sorte. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui les a tués ici? C'est plutôt probable. C'est marrant, cet endroit là, c'est vrai que ça donne envie d'y limite y rester. Ah, on est près de la mer en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Donc il n'y a rien du tout, hein. Ok, ça a déjà dû être pris tout ça. Malheureusement. J'entendais pas là, j'entends. Hey! Someone there? I'm scared! Il dit que j'ai peur. Je me demande s'il y a quelqu'un. J'ai pas de réponse.
C'est étrange comme lieu, très étrange. C'est un côté sympa. Petite maison en bois, comme ça. Mais finalement, c'est pas fait pour me rassurer tout ça. Ah, il y a quelqu'un là. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, d'accord. Bon, voilà, ça c'est un bug à la Daisy un peu, hein. Ah, puis ça n'empêche pas de me faire mal. Moi, j'arrive pas à le toucher. Saigne. Je sais pas s'il y a moyen de profiter de cette position là. Je saigne, je saigne, je saigne. Parce que je sais qu'il s'approche, par contre, j'arrive pas du tout à le voir. C'est un zombie particulier, hein. C'est les zombies. Ok, c'est agressif. C'est très agressif. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ah, d'accord. T'es là, toi, petit malin. Bon, finalement, je sais pas s'il y en a plusieurs. On va se mettre deux points. Non, c'est pas un zombie qui fuit quand même. Pas possible ça. Ah, il faut que je me concentre parce que c'est vrai que c'est que du headshot normalement. Oh là là. Bon, il est mort, il est mort, il est mort. Oh merde, je me gourre. C'est pas se mettre assis ça, c'est pas se mettre accroupi, je veux dire. Pas dans quel. D'accord. J'arrête de. Apparemment, je peux pas taper de cette façon-là. Ah, je suis encore en train de saigner là. Ok, bon. Alors. Ok, je saigne plus. J'aimerais bien trouver un moyen de se baisser quand même. Si je fais C. Ah bah c'est, d'accord, ok, c'est. X pour s'asseoir en fait. Ah si. Eh bah voilà. Ok, donc un sac, ça c'est bien. Alors que j'entendais pas, encore une fois. Ah ouais, en effet. Un loup. On va essayer de. Je vais essayer, je vais essayer. Problème, c'est qu'il est en meute. J'ai peur que les autres m'attaquent par derrière. Bon, ça va, c'est pas non plus trop résistant. Mais j'ai rien eu du tout. J'ai rien eu. Il y a une bouteille là. Ah, elle est pleine. Ça, c'est bien. Elle est pleine, bah finalement on commence à trouver des objets. Oh oh oh, c'est quoi ça? Non, c'est rien. Ça sert pas à grand chose de fermer les portes ici. Alors,
Niveau de la soif, ça serait. Ouais, je peux encore attendre. Après. Alors, le backpack, ouais, il peut contenir 1000. Enfin, 1000, je sais pas quoi, hein, 1000 de poids, on va dire. Donc, ça, c'est une skin que j'ai eue dans une. Avec la version Early Access, on a des. Comment dire? Des boîtes. Hein, des boîtes, ouais, des. Ah, bah, c'est marrant ça. Alors, elle est apparue, elle vient d'apparaître, à mon avis, parce que je l'avais pas vue avant. Ou alors, c'est à peu près la même que j'ai eue. Oh, je vais bien rester pour attendre qu'elles apparaissent plusieurs fois. Donc voilà, avec l'Early Access, on a eu donc 3 tickets d'événements. Hein, participer à des événements. J'ai eu une clé pour ouvrir une boîte. Et donc j'avais deux boîtes. J'ai ouvert une des boîtes et j'ai eu cette skin. Alors c'est une skin que je peux mettre sur des. Sur des. C'est pas un t-shirt, hein, c'est vraiment une couleur de t-shirt en quelque sorte. De voir, donc j'ai une fois, ouais, d'accord. Donc je le garde à vie en fait. Ça, c'est je crois. Hein. Je pense que je le garde à vie et je peux. C'est juste l'apparence hein, qu'on change. Donc, c'est pas non plus super. C'est pas non plus un item extraordinaire. Ah, j'entends des zombies encore. Non, je sais pas si c'est des zombies ou si c'est. À mon avis, c'est des zombies. Je vais m'enfermer pour le moment. Enfin, je suis pas vraiment enfermé là. Ok, il n'y a pas d'autre ouverture. Bon, je suis bien là, je suis bien. Ah bah d'accord. Ok, donc un bug à la Daisy. Sauf que là, c'est carrément les. C'est quand même dommage de voir des petits bugs comme ça. Bon, après, on est en. On est en early access aussi, hein. On va pas non plus chipoter, mais bon. C'est dommage tout de même. Parce qu'en plus, on disait. D'après ce que je disais. Ah, c'est rien du tout ça. Ok, c'est rien. J'avais l'impression que c'était pas le cas quand je lisais les. Le retour des personnes qui avaient déjà joué au jeu. Il semblait que j'avais lu que c'était pas. Que les zombies traversaient pas. En tout cas, si c'est pas les zombies, c'est les loups. Donc bon, c'est tout de même un peu dommage. Encore une fois, on va mettre ça sur le. Sur l'early access. Hein. Accès anticipé, hein, si je veux franciser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, il y a un airdrop là. Alors ça c'est la première fois que je vois. C'est bizarre. Parce que je vois rien dans le ciel. Je vais aller vers le son. Ça peut être un bateau. Je sais pas, peut-être que c'est rien du tout. Et j'ai faim là. Alors, en tout cas, j'ai pas l'impression que je me rapproche, c'est ça qui est drôle. J'ai l'impression que le son est toujours aussi loin. Le son baisse là totalement. Essayer de continuer par là. Et il y a quelqu'un là. Hey! I saw you, man. It's okay, I'm friendly. What are you doing, man? You want to fight? Oh. Nice jump. You're Bruce Lee.
You are Bruce Lee, man. Booyah! Yeah, I'm good. I'm cool, man. It's all good. Okay, but your sound is not very good. But you are good. Did you hear the sound? The big brrrr. No, I did not. Ah, you didn't. Okay. I thought it was an airdrop, but I don't know. I don't really know. I haven't seen one yet, I can't say. Okay. See you, man! Yeah.